Le bonheur n'arrive pas à celui qui l'attend assis. Le scoutisme non plus, c'est Baden Powell qui disait ça. Je vais terminer par les mots d'un autre qui n'est pas Baden Powell, mais qui est aussi décédé cette année en disant au revoir aux quelques-uns obligés de partir plus tôt. C'est Michel Menu. Michel Menu disait, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, alors il y a Jean-Jacques Côté qui est là, j'ai peur de prendre un coup de. Michel Menu, il a été engagé dans le mouvement. C'est un résistant important qui s'est engagé dans le mouvement après-guerre. Dans cet engagement, il a inventé une proposition qui s'appelait les Raiders. Une proposition à l'époque hyper moderne, dans laquelle il y avait de la moto, de la photo, tous les moyens nouveaux d'après-guerre. Il a intégré dans cette proposition qu'il a rendu robuste. Depuis, il a fait un truc qui s'appelle les GOOM, un peu comment on se retrouve soi-même en marchant dans une très grande sobriété dans le désert. Bon, Michel Menu a quitté le mouvement en 1956. Voilà, pas forcément en bonne forme avec le mouvement à ce moment-là, il y a des tensions, mais voilà. Ça n'empêche pas que c'est un très très grand bonhomme et il nous laisse ses paroles à vous, à moi. Si tu veux être chef un jour, pense à ceux qui te sont confiés. Si tu faiblis, ils flanchent. Si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu critiques, ils démolissent. Mais si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes la main, ils donneront leur peau. Il y en aura 120 000 bientôt.